BFM Business présente Business Quiz avec Audrey Maubert. Business Quiz, il est 14h, votre rendez-vous avec l'actualité économique, avec vos connaissances en économie, c'est le moment de vous tester. Alors j'espère que ça y est, vous avez téléchargé l'application BFM Business pour retrouver justement le badge Business Quiz, 1,09€ seulement la manche pour peut-être remporter eh bien, davantage. Vous allez pouvoir vous partager pour les 10 meilleurs eh bien, 500€ à la fin d'une première manche. 7 questions et des niveaux hein, de difficulté, ça va grimper au fur et à mesure. Il y aura dans quelques instants une seconde manche pour ceux qui auraient besoin de se caler ou peut-être eh bien, de télécharger l'application Business Quiz. C'est le seul jeu, le premier jeu diffusé en simultané à la radio, à la télévision, sur vos tablettes et vos smartphones. C'est parti pour cette première manche. La première question, allez, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir avec cette première question. À quoi correspond le sigle FMI? Frais marginaux internes, fonds maximum induits, frais médians d'intégration ou encore fonds monétaires internationaux. Comme à chaque question, pour chaque réponse, vous avez quelques secondes pour répondre, bien réfléchir, mais il faut être quand même le plus rapide pour vous départager. Eh bien, il s'agissait, FMI, de Fonds Monétaire International. Bien sûr, c'est une organisation qui a été fondée en 1945 pour faciliter les échanges entre 189 pays, hein, pour favoriser au sein de la communauté économique internationale eh bien, la coopération monétaire, garantir la stabilité et favoriser évidemment les échanges commerciaux. Et vous le savez, actuellement, c'est Christine Lagarde, hein, l'ancienne ministre de l'Économie en France, qui est désormais la directrice générale du FMI. Elle est toujours c'est une Européenne encore à sa tête. En fait, il s'agit plutôt d'un accord tacite. Il y a souvent un Européen à la tête du FMI. Alors, du côté des statistiques, peut-être, eh bien, Benoît Cavaillon, c'est un pseudonyme assez complet. Hein. Benoît Cavaillon a bien répondu, il a été le plus rapide. Fonds monétaire international, vous avez été bon, 95% d'entre vous ont bien répondu. Alors, peut-être une deuxième question pour savoir cette fois qui sera encore le plus rapide. En économie, les besoins sont par définition croissant, décroissant, constant ou bien rare. En économie, les besoins sont par définition croissant, décroissant, constant ou encore rare. Pour les spécialistes d'économie, hein, de la théorie sans doute, en économie, les besoins sont par définition croissant, bien sûr, les définitions. L'économie qui définit un besoin hein, comme un sentiment de manque fondé sur le désir de posséder un bien ou d'obtenir un service. C'est presque de la philosophie, là. Une fois que les besoins primaires comme manger et dormir sont satisfaits, eh bien, on recherche les besoins secondaires qui sont plus diversifiés. Alors, qui a été le plus rapide pour répondre à cette question de base du côté de l'économie? On va le voir rapidement. Et c'est Axel qui a été la plus rapide. Vous avez été 58% à répondre à la bonne réponse, croissant. 27% vous avez tenté constant. 12% pour décroissant, rare seulement 3%. La troisième question, on parle de biens de production pour les biens produits, pour l'innovation, pour être détruit, pour d'autres entreprises ou encore pour la recherche. Comment qualifie-t-on donc biens de production hein, pour les biens produits, pour l'innovation, ceux qui seront détruits, pour la recherche ou encore pour d'autres entreprises? Vous avez quelques secondes. Pour d'autres entreprises, en effet, un bien de production pour les biens produits pour d'autres entreprises. Les biens de production désignent les biens destinés à être utilisés dans le processus de production des entreprises. Ils comprennent les biens intermédiaires et les biens d'équipement. Ils s'opposent aux biens de consommation qu'on connaît bien également, donc biens de production opposés aux biens de consommation. Qui a été cette fois le plus rapide? C'est Hortensia. Elle a été la plus rapide. Vous avez été 74% à bien répondre pour cette troisième question. La quatrième question, lorsqu'un ensemble d'entreprises fabrique le même produit, on parle de branche, de secteur, de marché ou encore de conglomérat. Lorsqu'un ensemble d'entreprises fabrique le même produit, on parle de branche, de secteur, de marché ou encore de conglomérat pour cette quatrième question. Et on parle de branche, en effet, une branche qui regroupe en fait l'ensemble des fractions d'entreprises qui ont, ou les établissements hein, qui ont la même activité, qui vont produire le même produit à titre principal ou secondaire. Et puis, c'est un mot qu'on entend aussi quand on parle de négociation.
négociation ou de codification. On parle d'accords de branche ou encore de conventions de branche. Donc, ça regroupe un ensemble d'entreprises qui ont cette similarité. Alors, question à rapidité, qui est arrivé en tête cette fois? Eh bien, c'est Padawan. C'est très divers. Hein. Vous êtes tous à essayer de vous départager à l'heure actuelle. Vous avez été seulement 14% à bien répondre à cette question. Alors, belle prouesse de Padawan, rapide et en plus avec ces seulement 14% pour la quatrième question. Vous avez été peut-être piégé, vous avez été nombreux à répondre secteur à 53% pour cette quatrième question. Allez, il reste encore trois questions et peut-être que le niveau va se durcir peu à peu. Plus on approche de la fin, plus il y a un niveau de difficulté certain. La cinquième question, en quelle année a été mis en place l'embargo américain envers Cuba? Est-ce que c'est en 1958, est-ce que c'est en 1962, en 1964 ou bien en 1967? Il y a tout un environnement qui peut vous aider à avoir en tête cette bonne réponse pour la mise en place donc de l'embargo américain envers Cuba. C'était en 1962, évidemment en pleine guerre froide. L'embargo envers Cuba a duré d'ailleurs de nombreuses années après la fin de la guerre froide, ce qui en fait l'un des plus longs embargos commerciaux. Il a été mis en place le 3 février 1962. Alors aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et Cuba se sont améliorées, surtout sous l'impulsion de Barack Obama. Mais le président Donald Trump, et oui, on s'interroge toujours sur les réactions du président Donald Trump, eh bien, il a promis de dénoncer les crimes du régime Castro après son accès au pouvoir. Reste à voir s'il sera plutôt pragmatique avec Cuba. Alors du côté des statistiques, pour cette cinquième question, eh bien, on retrouve Hortensia. Hortensia a été la plus rapide cette fois pour répondre et vous avez été nombreux à choisir la bonne réponse, 1962, 67%, allez, ça tournait autour pour 13% d'entre vous du côté de 1958 et le 1964 également pour 13% d'entre vous. C'est pas mal, le niveau est relevé, vous êtes encore nombreux à avoir les bonnes réponses, il va falloir tenter de vous départager sur les deux dernières questions, sixième et septième question qu'on va voir tout de suite. La sixième question donc, parmi ces propositions, laquelle n'est pas un type d'innovation? Restez accrochés sur cette question, moi-même on m'a un peu perdu sur cette question. Alors, parmi ces propositions, laquelle n'est pas un type d'innovation? Design, procédé, produit, organisation. Certes, il faut être rapide, mais lisez bien surtout cette question et les propositions, car on parle de ce qui n'est pas un type d'innovation. Eh bien, il s'agissait en effet du design. Alors, je vais vous expliquer exactement. On parle d'innovation, ça définit l'application réussie d'une invention, d'une découverte ou d'une idée nouvelle dans le domaine économique et commercial. Et le design n'est pas compris dans les modes d'innovation, dans le sens où il n'aboutit pas sur un nouveau débouché ou un produit nouveau. Et donc, on l'exclut de ces propositions. C'était un peu technique. Peut-être il fallait avoir un certain feeling pour cette sixième question et pour tenter de vous départager du côté de cette sixième question. On va voir au fur et à mesure des statistiques. Peut-être là, on va se rapprocher exactement de la fin avec Jérôme. Jérôme, il me semble qu'on l'a déjà retrouvé en début de manche. Jérôme qui retrouve la forme, design. Et en plus, vous avez été peu nombreux à 22% seulement à avoir cette bonne réponse. Vous avez tenté à 17% procédé et surtout 53%. Vous avez pensé à l'organisation. Mais là, je vous le disais, la question a été pas facile véritablement. Bah oui, à la fin, il faut trouver les meilleurs, les 10 meilleurs, car je vous le rappelle, les 10 meilleurs vont se partager une cagnotte de 500 €. Et il va rester qu'une seule question, la septième question seulement, pour vous départager dans ce business quiz. Eh bien, quelle est-elle d'ailleurs? Là, on parle aux spécialistes, on s'adresse aux spécialistes. Quel économiste précurseur a écrit en 1817 des principes de l'économie politique et de l'impôt? Est-ce Adam Smith, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter ou encore David Ricardo? Quel économiste précurseur a écrit en 1817 des principes de l'économie politique et de l'impôt? Ça fait appel à vos connaissances, peut-être variées en économie, j'en doute pas. Eh bien, il s'agissait de David Ricardo. C'est lui qui a écrit en 1817 des principes de l'économie politique et de l'impôt. C'est un économiste britannique, considéré d'ailleurs comme le père de la théorie du libre-échange. Vous l'avez sans doute régulièrement croisé en lisant peut-être des ouvrages d'économie. Il est une grande figure de l'économie, c'est sûr, comme les autres, mais lui, on le retient pour d'autres théories. Ces théories ont beaucoup influencé le libéralisme économique jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et cet ouvrage dont
dont on parle des principes de l'économie politique et de l'impôt, eh bien, il est considéré comme majeur, comme indispensable dans la pensée économique. Il traite de la valeur et de la répartition du produit national, du commerce international, de la monnaie et de la banque, ou encore de l'impôt et de l'emprunt. Vous l'avez compris, il balaye véritablement tous les spectres de l'économie. C'était bien donc David Ricardo. Alors, est-ce que vous avez été nombreux à répondre la bonne réponse? Eh bien, on retrouve Jérôme d'ailleurs. Jérôme a encore été le plus rapide. Jérôme est très très en forme. Allez, peut-être qu'on va le retrouver dans les 10 meilleurs dans tous les cas. Vous êtes quand même 46%. Bravo à avoir répondu cette bonne réponse, David Ricardo. Joseph Schumpeter est arrivé en deuxième position parmi vos réponses avec 23%. On a retrouvé Friedrich Hayek, 18%. Et puis Adam Smith. Adam Smith, il fait partie du décor hein, dans les théories, bien évidemment, d'économie. On le retrouve souvent dans les questions du Business Quiz. 14%. De bonnes réponses. Alors pour ça, on va essayer de départager, bien sûr, les meilleurs d'entre vous, ceux qui vont se partager une cagnotte de 500 euros. Eh bien, on retrouve Hortensia en leader hein, de cette manche. Quentin également, DAF37, Kevina, Marco05, Track, Brigitte, Ginger, Popoloff ou encore Cédric. Eh bien, ce sont en effet les 10 meilleurs de cette manche qui vont se partager ces 500 euros de cagnotte. Et puis, ce n'est pas le moment eh bien, de tout laisser de côté. Hein. Il va falloir se concentrer encore. Vous allez faire une pause. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il va falloir le faire en allant télécharger l'application BFM Business ou BizOne, récupérer le badge Business Quiz et se préparer pour la seconde manche. Ce sera évidemment dans un instant, quelques minutes de pause. On se concentre et l'occasion encore de remettre en jeu une cagnotte de 500 euros. C'est dans un instant, dans 2 minutes seulement. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans 2 minutes. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com. BFM Business et la CNCGP vous donnent rendez-vous au sommet BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer. On vous propose de participer à cet événement unique et exclusif au cœur de l'écosystème du patrimoine. Alors que vous soyez une société de gestion ou de gestion immobilière ou bien encore une banque, un cabinet d'avocats, un assureur, une plateforme d'épargne en ligne ou de private equity, on vous donne rendez-vous le 6 décembre prochain. Nous aurons le plaisir de vous retrouver avec toutes les équipes de BFM Business au cœur du Conseil économique, social et environnemental. Et si vous voulez participer à cette journée ou au dispositif antenne qui sera consacré, eh bien le plus simple pour nous joindre, c'est de vous connecter et de vous inscrire sur notre site internet bfmbusiness.com. Le sommet BFM Patrimoine, jeudi 6 décembre au 16e et toute la journée sur BFM Business. À tout moment, restez connecté à l'économie. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. Le direct radio et TV ou tous vos rendez-vous gratuitement en replay. Soyez alertés des dernières actus éco ou naviguez dans les dossiers de l'éco thème par thème. Immobilier, emploi, tech, entreprise, bourse. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière. Tout l'été sur BFM Business, Xavier Fontanet vous donne des cours particuliers en stratégie d'entreprise. Profitez de l'expérience de l'ancien président d'Essilor et administrateur de grands groupes français et internationaux pour comprendre l'économie et l'entreprise. Part de marché, finance, concurrence, BFM Stratégie vous donne les clés de la réussite. Réagissez ou posez vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Stratégie. BFM Stratégie, présenté par Frédéric Simotel avec Xavier Fontanet, du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business. BFM Business présente Business Quiz avec Audrey Maubert. La suite de Business Quiz, la suite certes, mais ça ne doit pas désespérer ceux qui ne se sont pas inscrits. Il va falloir vous mettre eh bien, en condition pour attaquer cette seconde manche, cette question autour de l'actualité économique, des théories de l'économie également, parce que dans la torpeur de l'été, oui on aime bien utiliser cette expression, dans la torpeur de l'été quand on parle d'économie, des marchés financiers, etc., eh bien, on a quand même l'occasion de tester ses connaissances en économie avec Business Quiz.
Vous allez pouvoir vous inscrire encore en téléchargeant l'application BFM Business ou BizOne. Vous allez ensuite récupérer dans le shop de l'application le badge Business Quiz. 1,09€ précisément la manche. C'est rien par rapport à ce que vous pouvez gagner, cumuler. Hein. Peut-être vous faites partie de ceux qui, à l'instant, ont décroché 50€ dans la prochaine partie. Dans la précédente partie, pardon. Et là, vous allez pouvoir retenter votre chance à l'occasion de cette seconde manche. Cette question, un niveau de difficulté, bien sûr, qui va se corser peu à peu. Et oui, il s'agit de vous départager, de faire ressortir les 10 meilleurs, les plus rapides et ceux qui ont été les meilleurs, bien sûr, dans les réponses. Ils vont se partager encore une cagnotte de 500€. Cette question, eh bien, c'est parti pour la première question de cette manche. La première question de cette seconde manche de Business Quiz en économie, le marché est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande des biens et des services, des richesses et des biens ou encore du travail et des richesses. Vraiment, je trouve que cette question, elle est un peu donnée. Alors, je suis sûre que vous avez déjà répondu. En économie, le marché est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande des biens et des services, des richesses et des biens ou encore du travail et des richesses. Et oui, il s'agissait de l'offre et de la demande. Le marché, c'est le lieu de rencontre des offres et des demandes de biens ou de titres. On en parle quand il s'agit de marché des actions aussi. C'est là que se fixe le prix des équilibre des produits. Alors bien sûr, il y aura eu quelqu'un de très très rapide. Je suis sûre pour cette première question, vous êtes battu en termes de rapidité du côté des statistiques pour cette première question. Eh bien, c'est JF Divitia et je ne sais pas trop, je lui rendrai hommage quand même pour la qualité de sa réponse et sa rapidité. En économie, le marché, les lieux de rencontre de l'offre et de la demande, vous avez été quand même 87% à bien répondre. C'est pas mal, mais ça va se corser, je vous le disais, je vous ai prévenu. Alors, on passe à la deuxième question de ce Business Quiz. Quel est le rôle d'un État dans un État-providence? Est-ce que c'est ne pas intervenir, intervenir dans la santé, intervenir dans la politique ou bien intervenir dans l'économie? Vous avez, comme d'habitude, quelques secondes pour répondre. Quel est le rôle d'un État dans un État-providence? Est-ce que c'est ne pas intervenir, intervenir dans la santé, dans la politique ou bien dans l'économie? Pour cette seconde question, eh bien, c'est intervenir dans l'économie. À l'origine, le terme État-providence eh bien, désignait essentiellement l'intervention de l'État dans le domaine social par le biais du système de la sécurité sociale. C'est à partir de là qu'on a parlé d'État-providence quand il y a eu eh bien, la création de la sécurité sociale en France, ça date d'octobre 1945. Et maintenant, eh bien, ce terme d'État-providence, eh bien, il sert à désigner plus généralement les interventions économiques et sociales de l'État. C'est ainsi qu'on le comprend et qu'on le désigne désormais. Alors, est-ce que là, vous avez été encore aussi nombreux? On retrouve Hortensia. Hortensia est une joueuse assidue et très, très rapide. On l'a vu tout à l'heure, on la retrouve désormais. Vous avez été 71% à bien répondre à cette question. Est-ce que c'est ne pas intervenir? Eh bien non, hein, pour 15%, pourtant, vous avez tenté cette réponse. Mais il s'agit bien d'une intervention de l'État quand on parle d'État-providence. Intervenir dans la santé, ça aurait pu, comme à l'initial, mais en fait, non. Et puis, 3%, vous avez répondu pour intervenir dans la politique. La troisième question de ce Business Quiz, un sigle. À quoi se réfère le sigle ESS? Entreprise sociale solidaire, économie sociale et solidaire, économie de services stables ou encore économie de services solidaires. À quoi se réfère le sigle ESS, entreprise sociale solidaire, économie sociale et solidaire, économie de services stables ou encore économie de services solidaires. ESS signifie donc économie sociale et solidaire. Ça désigne un secteur économique précisément qui regroupe les coopératives, les associations et les mutuelles. Et puis si on a quelques chiffres, si on fait référence à quelques chiffres récents sur ce type d'économie, c'est quand même 2,4 millions de salariés en France, c'est à peu près 13% de l'emploi privé que représente l'économie sociale et solidaire actuellement en France. Alors du côté des statistiques, eh bien, c'est Jujube qui a été le ou la plus rapide, sans doute la plus rapide pour cette question. 63% d'entre vous ont bien répondu. Vous avez était tenté à 34% par entreprise sociale et solidaire, mais il s'agissait bien d'économie sociale et solidaire pour le sigle ESS. La quatrième question, désormais, en quelle année fut signée la convention de Schengen? Est-ce que c'est 1989,
1994, 1990 ou encore 2001. On parle de la signature de la Convention de Schengen. En quelle année? 89, 94, 90 ou encore 2001 pour cette quatrième question? Eh bien, il s'agissait de 1990, adopté en 1990, pardon, à l'origine par 8 pays européens. Elle prévoit la suppression des contrôles aux frontières, de même que la coordination des polices pour lutter contre les trafics illicites et l'immigration clandestine. Les premiers pays signataires, eh bien, ce sont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. L'espace Schengen, aujourd'hui, il regroupe 26 pays, 26 États membres. Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient de leur côté un statut particulier. C'est pour ça qu'on entend aussi pas mal parler de la libre circulation et de la Convention de Schengen, encore en parlant des négociations du Brexit. On en entend pas mal parler justement avec ce statut particulier qu'il va falloir retrouver. Bon, du côté des statistiques pour cette nouvelle question, on retrouve Hortensia. Hortensia n'en finit plus d'avoir du succès avec cette rapidité légendaire désormais, je pense. Donc 1990, vous avez été 56% à bien répondre, 94% pour 25% d'entre vous, 15% ont tenté 1989, allez, on y était presque, 2001, 3%, non, à 2001 à peu près, on parle d'élargissement sans doute, mais on était encore bien a posteriori de cette signature de la Convention de Schengen, même si elle a été adoptée en 1995 véritablement. La cinquième question, lequel de ces pays n'appartient pas à la zone euro? La Slovaquie, ou est-ce Malte, encore l'Autriche ou encore la Pologne? Lequel de ces pays n'appartient pas à la zone euro? La Slovaquie, Malte, l'Autriche ou la Pologne? On est encore dans la zone euro pour cette cinquième question. La zone euro, donc, qui n'y appartient pas? Eh bien, il s'agit de la Pologne. La Pologne, certes, elle appartient à l'Union européenne depuis 2004, mais en fait, elle n'a pas souhaité changer de monnaie, elle n'a pas souhaité prendre l'euro et donc, elle n'a pas souhaité rentrer dans la zone euro. Elle a gardé sa devise nationale, le zloty, c'est toujours le cas. Actuellement, il y a 19 pays membres de la zone euro. En 1999, lorsque l'euro a été introduit pour la première fois en tant que monnaie virtuelle, eh bien, la zone euro était constituée alors de 11 des 15 pays faisant partie de l'Union européenne. Il y a quand même 9 pays de l'Union européenne qui actuellement qui sont pas membres de la zone euro, donc la Pologne, la Croatie, la Suède ou encore le Royaume-Uni. Donc ils ont choisi d'être dans l'Union européenne mais pas dans la zone euro et donc de ne pas avoir l'euro comme monnaie nationale. Du côté des statistiques, Hortensia, encore Hortensia, on ne l'arrête plus à l'heure actuelle. Elle est bien calée au niveau de l'Europe ou alors très très rapide. La Pologne, vous avez été 48% à répondre positivement à cette question. La Slovaquie, 31%, la Slovaquie qui a adhéré à la monnaie unique en 2009. D'ailleurs, ça fait partie des plus récents, mais la Slovaquie, eh bien, elle a bien adhéré à la monnaie unique. Malte, 18%, et puis l'Autriche, 3% parmi vos réponses. On salue encore le bel effort d'Hortensia. Et on passe à la sixième question. Je vous le disais, ça va se corser. Quand il y a un seul acheteur pour un vendeur, on parle de monopole unilatéral, de monopole bilatéral, de monopsone ou de monomarché. Quand il y a un seul acheteur pour un vendeur, on parle donc de monopole unilatéral, monopole bilatéral, monopsone ou encore monomarché. Un peu de concentration pour ne pas répondre trop vite, histoire de ne pas se tromper. Eh bien, on parle de monopole bilatéral. Il n'y avait pas vraiment de piège dans cette sixième question. Dans une situation de monopole bilatéral, en fait, la notion de concurrence, elle n'existe pas, elle est carrément niée, elle est oubliée. C'est un partenariat d'exclusivité entre deux acteurs. Ça se trouve souvent dans les négociations, notamment dans l'industrie de l'armement, eh bien, qui ne négocie que directement avec l'État, en termes de sécurité, bien sûr. Et puis, pour la culture générale, un monopsone est un marché sur lequel un seul demandeur se trouve face à un nombre important d'offreurs. C'était là la petite difficulté pour cette sixième question. Alors, du côté des statistiques, eh bien, on retrouve quelqu'un qu'on a déjà eu il y a quelques questions, me semble-t-il, le plus rapide, JF Diviasiae. Je suis désolée si j'écorche ce pseudonyme, mais ce n'est pas facile, il faut m'aider quand même. Donc, monopole bilatéral, vous avez été seulement que 17% à bien trouver cette bonne réponse. Alors, comme quoi, c'était un peu piégeux. On va pouvoir vous départager du côté de la septième question. Quel économiste français a remporté le prix Nobel de l'économie en 2014? Est-ce Gérard Debreu, Maurice Allais, Olivier Blanchard ou encore Jean Tirole? Quel économiste français a remporté le prix Nobel de l'économie en 2014?
2014. Vous avez quelques secondes pour répondre à cette dernière question. Eh bien, il s'agissait de Jean Tirole en 2014. Il a reçu le prix Nobel de l'économie pour son analyse du pouvoir de marché et de sa régulation. Il étudie notamment les liens entre psychologie et économie. Il y avait des pièges en fait parce que Gérard Debreu fut le premier Français à recevoir le prix Nobel de l'économie en 1983 pour ses travaux sur l'équilibre en économie de marché. Et Maurice Allais l'a reçu en 1988. Et puis pour le dernier, Olivier Bianchard, il est spécialiste de l'économie du travail et il est ancien chef économiste du FMI. Un coup d'œil rapidement aux statistiques de cette 7e question. Un petit nouveau, Florian, qui a été le plus rapide et qui a répondu Jean Tirole. Vous avez bien réussi pour cette 7e question, pourtant censé vous départager, 78% de bonnes réponses. Alors maintenant, on va bien évidemment découvrir le classement pour cette dernière partie, cette seconde manche du côté. Eh bien, on retrouve encore Hortensia. Hortensia, parmi les 10 meilleurs qui vont se partager cette fameuse cagnotte de 500 euros. On retrouve aussi Nen, Polymath, Xavinsa, Quentin, Benoît Cavaillon, Thomas Deld, Victoria ou encore Trac et Christine pour les 10 meilleurs joueurs donc qui vont se partager cette fameuse cagnotte. Mais pour les autres, eh bien, soyez pas frustrés car vous allez pouvoir vous inscrire, commencer à télécharger l'application et bien vous préparer bien sûr pour demain pour une nouvelle édition de Business Quiz. Ce sera en simultané sur BFM Business, à la radio, à la télé et puis sur vos smartphones et vos tablettes. Ce sera dès 14h bien sûr, dès demain pour ce nouveau Business Quiz. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie, demain à 14h. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com.